T'es où? Poulet de la mort. Bon. Je l'entends, mais je la vois pas. Bon. Allez, tiens. Bon. On y retourne. Combien j'ai? 22. Oh, allez. Ce soir, c'est barbecue. Ok. La pénombre arrive. Il est où ce poulet? Ok. Pas de soucis. Pas de problème. Des vaches dans les arbres, des poulets. Faut que je me tire de là. Putain, mais j'ai plus de... Là, on est dans le caca. Putain, mais ça me gêne que dalle, la viande crue. J'arrête de prendre des dégâts comme ça inutilement. Moi. Non mais qu'est-ce que je viens de dire? Allez. Oh non, 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 non. J'ai même pas assez de pierre pour me faire un fort, c'est pour vous dire. C'est quoi cette organisation de merde? Faut juste un de pierre, voilà. Quitte à faire, on va faire ça comme ça. Hein. J'ai plus de... Ah si j'ai du bois. Du bois ça ou de la terre? Là c'est de la terre. Bon. Un de bois. Bon. J'ai entendu un Enderman. Ça m'intéresserait de le buter pour sa perle.
Mais écoutez, de toute façon, moi, il commence de... Je vous reprendrai peut-être un peu plus tard dans la soirée. Mais là, je dois partir. Donc, bah écoutez, bah, sur ce, bah, je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, pour vous, ce sera à la suite. Hein. Donc voilà. Je reste encore quelques minutes avec vous. J'attends la fin de la nuit. Je veux juste fermer ça. Voilà. Donc oui, donc pour revenir à ce que je disais, hein, donc dans cette série, uniquement deux cheats hein, que je m'autoriserais, c'est comment? Donc le cheat ben, de faire passer la pluie, parce que c'est juste pour des questions d'esthétique quelque part. Pas plus que ça. Même si je sais que bon résultat j'ai moins de risque de il est où? T'as, il est tout près, je l'entends. Il est quasiment sur moi quoi. Il est où? Ok. Allez. Salut. Taïo, messire. Voilà. Oh. C'est sympa ça. Bon. Je sais, j'ai un rire à la con parfois. Ça, je vais m'en débarrasser. Je vais aller chercher mes cisailles. Putain, ça a le temps de pousser en plus. Ça pousse ces merdes. Bon. Le reste de la bouffe. Ouais, non, c'est du cacao que j'avais. Ensuite, du cacao, on commence quand même à en avoir un petit peu. Mais ça nourrit très peu en fait. Je m'attendais à ce que je me souvenais plus combien ça se nourrissait. Je réfléchis. Hein. Ah oui, j'avais ça encore. Ouais, protection contre les explosions. Oublie. Bon. Ouais, écoutez, de toute façon, moi, j'en peux plus. Je vais faire une pause. Juste. Juste un truc. Oh non, on me dit pas que j'ai plus de bois. J'ai laissé tout mon bois là-bas? Bon, ok. Bon, écoutez, ben, de toute façon, on refera le point au prochain épisode. Enfin, quand je reprendrai. Sur ce, ben, je vous dis à plus tard. Je vais me mettre là. Voilà. Ok, donc, ben, bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons. Ok. Donc, pour moi, le lendemain, encore une fois, retour du travail, tout ça, comme d'habitude. Un peu de boulot ce soir encore après pendant l'encodage des vidéos hop donc on a été où j'avais dit qu'on ferait quoi j'ai pas regardé le dernier morceau j'avais dit que je regarderais le dernier morceau pour me rappeler ce qu'on ferait j'ai mon P4 en soi faudrait qu'on fasse un faudrait qu'on fasse le point sur les enchantements on va faire ça
faire le point rapidement. Ou comment? Ou je compte faire également autre chose, mais plus tard. Attendez. Alors, tout ce qui est protection, on va prendre. Ok, donc et ben comme ça c'est fait. On n'en a qu'un. Bon, on n'en a qu'un, bah, ça vaut pas le coup. Hein. Simplement. Ensuite, on va prendre tous les tranchants. Alors, attendez, on va prendre ça et tous les tranchants 1. Voilà. On a de quoi se faire pas mal de tranchants 1. Juste histoire qu'on trie un petit peu tout ça. Ici, on a du tranchant 2. Ok, alors. Tranchant 2, même topo, donc ici on va avoir du tranchant 2, ok. Ensuite on a quoi? De la puissance, on doit en avoir pas mal aussi, ok. Ça c'est quoi? Affinité aquatique, c'est encore à part, ok. Donc déjà, on va reclasser tout ça. Ensuite on va voir les puissances. Alors les puissances, attendez, l'affinité aquatique, on va faire là pour compléter la ligne. Ça c'est la puissance 3 ça. Est-ce qu'on a de la puissance 2? On a de la puissance 2. On n'en a qu'un de puissance 2. Ok. Alors, on va dégager cette ligne là. Ok. Question puissance. Donc on a tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Puissance 3. Ok, puissance. Hop, le puissance 2, le puissance 3. Ok, ensuite on va voir l'efficacité. Ça, de l'efficacité, on va en avoir. Hein. Donc, juste le temps, hop, de compléter la ligne. Alors, efficacité 1. Ok. Et là encore. Est-ce qu'il y a de l'efficacité 2? Il y a deux efficacités 2, visiblement. Efficacité 3. Et après, il y a du tranchant. Le tranchant. Ouais. Parce qu'on avait du tranchant là aussi, mais. Ok. Ici, on va mettre les niveaux supérieurs un petit peu. Et merde. Bon, bah ça c'est fait. Il m'a explosé mes fours quoi. Je l'ai entendu, je me suis dit bon. Bah ça c'est fait. C'est presque comme si on n'avait rien vu. Bon, j'ai plus de bois. Je n'ai plus de bois. C'est ennuyeux.
Techniquement, il est presque mort. Ah oui, j'avais dit que je prendrais la... Ouais, mais bon, j'ai besoin de bois. Pas grand chose, hein, il me faut juste de quoi me refaire des coffres. Huit, ouais, de quoi m'en faire qu'un. S'en prendre un peu plus quand même. De coffre, allez, hop, ça ira. Qu'il y a ici? Ouais, on va laisser deux trois trucs ici, deux trois trucs inutiles. De la ficelle, on va quand même la redescendre. Ouais, hop, et puis hop, quand j'y suis, ça. Bon. Juste pour savoir d'où est-ce qu'il venait. À mon avis, ici, là, il y a une petite lumière, mais même, il a spawné, à mon avis, il a spawné de loin, et puis il est... Il est arrivé jusqu'ici, c'est tout. Enfin bref. Il a fait un gros pathfinding et puis c'est tout quoi. Moi je l'ai... Je l'ai pris en pleine tronche. Allez, cobble. Là où la cobble? Il en reste, il en reste. Ok. Le reste, ouais, un peu de terre, allez, hop, pourquoi pas. Bon, puis c'est tout, hein. Le reste, c'est un peu enfoui, mais on retrouvera bien. Ouais, puis ma pioche est là. Ouais, de toute façon, je vais... Alors, le lit, d'accord. Le bâton, du charbon. Ça. Ça, ça. Non, j'avais dit que... ça, ça et... ouais, ça. Ça va nous faire peu, mais on peut. Et puis les trois que j'ai là, bon, ça nous fait 11 flèches, c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Ok, on a tué de la vache, on a... Oh, ok, bon, allez. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est aller farmer... Allez, tant pis. Allez, ce qu'on va aller faire, c'est un petit peu le minage optimisé. Pour deux raisons. La première, c'est avoir des niveaux. La deuxième, c'est avoir de la... Comment?
du diamant. Donc et ben, on est parti, un minage opti. Pas très intéressant, qu'est-ce que je peux vous raconter pendant ce temps-là? Il y en a certains que le boulot que je fais ça intéresse, mais malheureusement je peux pas en dire trop. Pour la simple et bonne raison ben, que c'est des applications pour des entreprises. Enfin pour un établissement. Un établissement public, mais établissement quand même. Donc il y a un slime dans le coin, mais bon. De toute façon, pareil, en cas de problème de lave, j'ai toujours la potion de résistance au feu sur moi. On pourrait également retourner dans la seconde faille que j'avais trouvée, qui était dans le prolongement de l'autre faille, mais c'est vraiment dangereux. Ayant trouvé le Stronghold, je n'ai aucune envie de prendre de risques. Donc non. Ici. Bon, voilà. Allez, de l'autre côté. Oh non, pitié. J'arrive plus à poser de torche en dessous du gravier. Allez, on continue, on continue, on continue. Cinq niveaux, on peut encore réenchanter quelque chose. Je pense qu'on va s'orienter vers l'efficiency. Pour enchanter la pioche en diamant. Une fois que la pioche en diamant... Ouais, mais il me faudrait une solidité de 3. Et la solidité, malheureusement, je ne me souviens plus à partir de quel niveau c'est. Il me semble qu'il faut faire de l'enchantement niveau 30 pour avoir de la solidité. J'ai un doute. Je retournerai aller voir sur le wiki. Juste faire un truc, c'est qu'ici bah ici on va partir tout droit. Voilà, je m'en doute.
doutais qu'on croiserait en plus le truc en question. C'est moi qui ai creusé ça? C'est pas moi qui ai creusé ça? Ah d'accord, ah oui je me souviens, d'accord, ok. Ouais. Et ça remonte dans la faille. Ah non. Ouais, c'est ça, c'est. Oui, c'est parce que oui. Ouais. C'est quand j'avais essayé de fuir de la faille après avoir été infecté par des. Par des. Sorcières. Donc voilà, et donc résultat, on a du diamant. 2, 3, 4. Vais voir si on peut en avoir plus. Vous l'avez peut-être hurlé dans les commentaires que j'avais laissé du diamant ici, c'est possible. Quoi qu'il en soit, bon bah. Bon, on va continuer par là, de toute façon. Histoire d'avoir une bonne luminosité, de toute façon ça va être une séance minage aujourd'hui et puis de toute façon j'ai pas trop la force d'en faire d'autres. On est actuellement jeudi ce week-end donc d'ici 5 épisodes peut-être. On fera des choses peut-être un peu plus dangereuses. Je compte éventuellement retourner dans le désert pour aller farmer de l'Enderman. Parce que c'est la priorité afin de pouvoir accéder à l'end. Peut-être retourner dans le. Ou alors dans la faille. Dans la faille, il y a régulièrement des Endermen qui spawnent. Donc pourquoi pas. Niveau. Jeter de la pierre pour ça. J'ai pas de table de craft sur moi. De découvrir un maximum de l'or. Ouais, bien sûr, je peux pas le récupérer. Miner au-dessus de soi, ça c'est une bonne idée, ça. Juste parce que j'ai horreur de. Ouais, pareil pour le charbon. On va laisser un petit peu de cobble ici, ça fait rien. Même si je n'aime pas beaucoup ça. Ouais, bah tiens, résultat, j'ai un emplacement qui vient de se libérer. Allez, hop, passe-moi ça.
ça. Parce que les entités au sol génèrent souvent du lag. C'est d'ailleurs bizarre. Enfin, ouais, non. C'est pas si bizarre que ça parce que. C'est du graphisme et puis c'est des objets. Hein. Donc quand il y en a trop, bah ça. Ça génère du lag, c'est normal, ça utilise les ressources machines. Et vu que Mojang est pas forcément optimisé au niveau de la mémoire, enfin que même Java en général, hein, n'est pas optimisé au niveau de la mémoire. Quoi que ça dépend, enfin, il y a quelqu'un récemment qui m'a dit comment que, vous savez, comment pour développer, moi personnellement, j'utilise NetBeans. C'est un IDE, donc c'est un logiciel de développement gratuit. Et il y a une partie de NetBeans qui est codée en Java. Et puis, ben, mine de rien, ça marche très bien. Ça marche